tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'est fait un peu attendre, c'est vrai, par rapport à d'habitude, puisque nous avons pris une petite pause des réseaux sociaux. Tout ça pour réfléchir et concocter un tout nouveau projet sur lequel, bien sûr, vous serez tenu au courant en temps et en heure. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos sur l'Albanie, je vous y invite tout naturellement, puisque celle-ci vient compléter l'exploration de ce magnifique pays qu'est l'Albanie. Comme d'habitude, une petite carte pour mieux se situer et mieux visualiser le pays. Donc, nous avons visité The Blue Eye, puis ensuite la ville de Saranda où nous avons rencontré notre ami Thomas, puis une petite fête sur les plages de Xamil, la ville de Girokaster, puis les sources chaudes de Permet, ensuite la ville de Tepelen avec son pont très particulier, la ville très colorée de Vlora, et dans cette vidéo on ira à Tirana qui est bien sûr la capitale. On ira dans un petit village perché en haut de la montagne qui s'appelle Kruja, et puis direction le lac Koman où nous avons fait une rencontre toute particulière. Et on finira au lac Skoder, qui est le lac transfrontalier avec le Monténégro. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Vous connaissez la chanson, un petit pouce, un petit like, un petit partage sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dites-nous d'où vous avez visionné cette vidéo, parce qu'on a pas mal d'abonnés qui nous suivent sur Instagram et sur YouTube, qui sont bien sûr sur les routes. Donc n'hésitez pas à nous envoyer une petite photo, on repartagera ça sur Instagram. En tout cas, je vous souhaite une excellente vidéo. Bisous bisous! Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos trois enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Aujourd'hui, on visite Tirana, c'est la capitale de l'Albanie. C'est une ville qu'on connaît très très peu. Je ne connaissais absolument pas, je ne savais même pas la situer sur la carte. Donc, on va partir à la découverte de cette ville. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais le spot, il n'est pas vraiment foufou. C'est vrai que depuis qu'on est en Albanie, on adore ce pays. On fait beaucoup de spots nature. On peut se garer vraiment dans des endroits sublimes. Ici, à Tirana, il n'y a pas vraiment d'infrastructure pour accueillir les camping-cars. Donc, on a réussi à avoir un parking qui nous accueille, et donc on paye 1,60€ à peu près pour 8 heures de parking. Donc ça va, c'est un parking surveillé. On est tout près d'un énorme parc où il y avait un skatepark, donc voilà, ça fait très très plaisir aux enfants. On est toujours accompagné de Benoît et Marie-Laure et leurs enfants, et on va partir découvrir cette ville aujourd'hui. On a une super météo, le ciel bleu est là, bien qu'il fasse encore un peu friscouillet comme on dit chez nous. On vous emmène avec nous, bien sûr. Directement plongé dans l'ambiance, ce jour-là, à Tirana, il y avait une manifestation. Les gens sortent dans la rue pour exprimer leur mécontentement par rapport au prix du coût de la vie. On s'aperçoit que c'est partout un peu pareil en Europe, mais bon, il faut tout de même savoir que le salaire moyen en Albanie est de 400€ par mois. Niveau inégalité, il y a encore du chemin et on se rend compte à quel point on est privilégié. Le 14 mars, en Albanie, c'est la fête de l'été. C'est l'occasion de célébrer la fin de l'hiver, le retour des beaux jours, la nature qui s'éveille. À cette occasion, il y a plein de festivités ici à Tirana, entre autres. Et puis surtout, il y a cette petite tradition de porter un bracelet aux couleurs blanc et rouge avec une petite hirondelle qu'il faudra retirer dès qu'on aperçoit la première hirondelle. On a pris ces petits bracelets à la dame ici. Pour vous donner une idée, donc pour deux bracelets, c'est 1,50€. Nous
venons déjà de passer quelques heures ici dans la ville de Tirana. C'est une ville incroyable. On sent vraiment le dynamisme, une volonté de se tourner vers l'avenir, la jeunesse, la modernité, mais alliée aussi avec des traditions. Donc c'est vraiment un mélange très très intéressant. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très lumineux, des bâtiments ultra modernes. Et voilà, c'est une ville assez épatante et étonnante. Sans surprise, est la ville la plus peuplée du pays, avec plus de 550 000 habitants. Ça reste malgré tout une capitale à taille humaine, et nous y avons retrouvé un côté très familial et chaleureux. Nous imaginions une ville grise et triste, et nous avons été surpris par les couleurs venues parer la plupart des bâtiments, comme pour tirer un trait sur le régime communiste tombé avec le dictateur Enver Hoxha. La vie trouve toujours un chemin. Tirana en est le plus bel exemple. La gigantesque place piétonne Skanderberg est le point de ralliement de la ville. Elle est bordée de bâtiments au style hétéroclite, témoin des différentes périodes d'occupation du pays. Parmi les vestiges de la période ottomane, on trouve la tour de l'horloge et la mosquée Etembey, classés monuments culturels que nous prenons le temps de visiter pour en admirer les magnifiques fresques qui recouvrent l'entièreté des murs. Belle. On va où? On va, on prend le bus. Allez Vincent, sois un peu sérieux. On prend le bus. C'est notre deuxième journée à Tirana et nous avons encore quelque chose de très important à faire ici. Nous devons visiter le Bunkart numéro 1. Pour ce faire, on a pris un bus depuis la place Skanderberg qui nous a amené ici dans la banlieue de Tirana pour 40 cents par personne environ. Ça nous a pris une demi-heure. Arrivé ici, on va devoir traverser ce tunnel et ça va nous emmener dans un musée qui est constitué d'à peu près 106 pièces qui va nous raconter, qui va nous permettre de mieux comprendre encore l'histoire de l'Albanie et surtout la période communiste. Il faut savoir aussi qu'hier, on a passé une journée extraordinaire dans cette capitale incroyable. On a découvert, je pense, à peu près tous les endroits qu'il faut absolument visiter ici. Et puis surtout, on a suivi un free walking tour, c'est-à-dire qu'on a suivi un guide qui, en anglais, ça c'était un exercice pas évident, mais en anglais, il nous a raconté l'histoire de la ville en ajoutant plein de petites anecdotes. C'était vraiment super intéressant. Ça a duré 2 heures. Et puis alors à la fin, on donne ce qu'on veut. C'est un système de donation. C'était vraiment génial. Les enfants étaient super sages. Les grands ont vraiment fait des efforts pour essayer de comprendre parce que c'était pas facile. Et ça nous a permis maintenant de mieux comprendre l'histoire albanaise qui n'est pas facile. C'est vrai que c'est un pays d'Europe qui a beaucoup, beaucoup souffert. Une des dictatures les plus sévères d'Europe. On a appris vraiment plein de choses. C'était génial. Je le conseille et je pense qu'on le fera d'ailleurs plus souvent quand on visite des capitales. Voilà, maintenant c'est parti. On va dans le Bunkart numéro 1. On va s'accrocher parce qu'il paraît vraiment que c'est costaud. On a demandé si c'était OK pour les enfants. On nous a dit bon... On verra, on les a bien préparés, on espère, et si ça ne va pas, on trace, on arrête le musée, mais voilà, ça fait partie du devoir de mémoire. C'est parti. Thank you.
L'ancien président communiste Enver Hoxha était hanté par la crainte d'une attaque nucléaire, à tel point qu'il a fait construire des tas de bunkers et d'abris dans tout le pays pour les habitants. Le bunkart numéro 1 a été installé dans un bunker immense, construit dans les années 70 pour l'élite politique du pays. Enver Hoxha y a installé une chambre pour sa femme et lui. L'existence du bunker a longtemps été maintenue secrète. Le bunkart est certes un musée incroyable retraçant l'histoire du pays, mais c'est aussi un musée d'art contemporain qui permet aux touristes de mieux comprendre, et aux Albanais, de se réconcilier avec leur passé. Certaines salles sont assez oppressantes et ne conviennent pas aux plus jeunes, mais il est possible de les éviter. Bon, ouais, Enver, écoute-moi. Là, tu te prends un peu trop pour un mégalo, tu vas bien te calmer. Ouais, tu vas te calmer, je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Tu vas te calmer, ouais. Tu te calmes. Il est de bon ton à Tirana de se prendre un petit jus d'orange. Ce n'est pas la première fois qu'on dit au revoir à Benoît, Marie-Laure et leurs enfants dans Route Mauvaise Troupe. En fait, on ne sait jamais si nos routes se recroiseront, même si nous l'espérons très fort. C'est ce qui fait la force de ces amitiés qui se forgent sur la route et qui en créent aussi toute leur intensité. Bonne route, les amis! Il est temps pour nous de quitter Tirana, même si franchement, on serait peut-être bien resté encore une ou deux journées pour visiter cette ville incroyable en pleine transition. On repart par l'autoroute. Visiblement, Google Maps ne connaissait pas encore l'existence de cette toute nouvelle route. On se rend compte que Tirana s'étale encore sur des kilomètres et des kilomètres avec des bâtiments très modernes sur les côtés. Puis c'est hallucinant de tout d'un coup voir surgir au bord de l'autoroute un berger avec quelques moutons. C'est ça l'Albanie et franchement on est super heureux de découvrir ce pays incroyable et surtout ses traditions, sa culture. Et puis voilà, on continue, on a encore plein de choses à découvrir. On va aller vers Kruja maintenant, petit village dans la montagne, pour continuer ensuite vers le lac Comen. Et puis voilà, on va vous laisser avec des images et vous laisser contempler. Et puis surtout vous conseiller de venir en Albanie visiter ce pays qui en vaut vraiment la peine, qui est tellement authentique, plein de charme. Et puis surtout son grand attrait, c'est sa population des Albanais adorables, charmants, qui ont encore tant à découvrir, mais qui ont tant aussi à nous apprendre. À Kruja et on est précisément à 2125 km de Bruxelles. Kruja est une petite ville perchée dans la montagne et est le symbole de la lutte des Albanais face à l'occupant ottoman. En effet, au 15e siècle, celle-ci a accueilli le héros national Skanderberg pendant de longues années. Si vous vous rendez à Kruja, vous serez forcément attiré par le château médiéval duquel vous aurez une vue panoramique sur toute la vallée. Vous serez bien sûr obligé de passer par le bazar dans lequel il est possible d'acheter toutes sortes d'objets d'artisanat local. Ce jour-là, nous étions accompagnés de Nadège et Jean-Baptiste et leurs enfants qui étaient également en tour d'Europe en camping-car. Encore donc un très chouette moment de partage et de convivialité.
direction du lac Koman. Il paraît que c'est vraiment un endroit fabuleux à visiter ici en Albanie. Ce qu'il y a, c'est que pour y arriver, il faut emprunter une route qui est vraiment, à certains endroits, en très mauvais état. Donc ça se coupe bien, mais voilà, on s'accroche, on y va à notre aise, tout va bien. Et on va essayer d'atteindre un petit camping qui se trouve en bord de rive. Il aura fallu du courage pour atteindre ce petit camping, tant la route est longue et désastreuse. Mais cela en valait tellement la peine. Quelle vue magique! Nous sommes ici seuls au monde et nous apprécions cette sensation de calme et d'immensité. Nous voici à bord du petit bateau d'Izmir. Nous sommes dans un super camping perdu en plein milieu de la nature. Ça nous fait tellement du bien sur le lac Koman. Et voilà, on a demandé s'il était possible de faire un petit tour en barque. Et nous voici dans cette jolie embarcation jaune avec nos gilets de sauvetage pour un petit tour d'environ une heure à la découverte donc de ce lac qui est vraiment très joli et très réputé. C'est parti! Cette balade sur l'eau au milieu des îlots de verdure me rappelle la Thaïlande et ses mangroves. C'est beau, c'est sauvage et pourtant si apaisant. On en prend plein les yeux et on savoure chaque instant. C'est génial de découvrir cet endroit par les voies navigables. Ça change la perspective et ajoute une touche d'aventure à nos découvertes. Sur une petite île où nous allons pouvoir monter au sommet pour admirer une église qui date d'il y a plus de 600 ans, une église catholique. On aperçoit aussi des restes de murailles, des ruines. Nous allons aller voir ça d'un peu plus près. Izmir nous fait voyager à travers les îlots qui encerclent le camping familial. Il est très attaché à son pays, à cette région où sa famille vit depuis plusieurs générations. Il en prend soin et ramasse quotidiennement les déchets qui y sont déposés sur les berges. Il nous raconte des tas de petites anecdotes intéressantes sur le lac Koman. C'est un lac artificiel qui a été créé entre 1979 et 1988 sur la rivière Drin. En haute saison, les croisières sur le lac sont très prisées. Elles sont recensées comme les plus belles au monde, bordées de canyons et de collines boisées, avec un petit air de fjord scandinave. Ce magnifique
magnifique coucher de soleil et vue sur les montagnes du Monténégro que nous allons terminer notre séjour ici en Albanie. On n'était pas censé s'arrêter ici, près du lac. On voulait juste se poser pour prendre quelques photos avant de continuer notre route. Encore à peu près 2 heures de route en remontant, en longeant la frontière. Et puis finalement, le monsieur super gentil du camping juste là nous a dit qu'on pouvait s'installer gratuitement, que voilà, tous les services sont fermés pour la saison, mais qu'on pouvait s'installer sans problème. Donc, étant donné qu'il est presque 5h30, le soleil se couche, on se dit que c'est peut-être pas plus mal de se poser ici pour la nuit, et puis on prendra la route demain, en espérant d'ici là que je ne me sois pas fait complètement bouffer par les moustiques, parce qu'il y en a évidemment tout plein ici au bord du lac. Mais sur mes doigts. Voilà, allez, ben voilà, l'Albanie, c'est fini. Përshëndetje, Albania.